Salut les toutopianistes! Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre, pas à pas, la première partie de la magnifique valse en la mineur de Frédéric Chopin. Pour vous aider, j'ai réécrit avec soin la partition, avec des indications de doigté et des couleurs pour les notes, pour la rendre plus facile et agréable à lire. Pour les accords, je vous ai préparé un aide-mémoire d'empreintes. Nous verrons la structure, le détail de la main droite et de la main gauche, sans et avec métronome, puis le détail mains ensemble, sans et avec métronome. Cette valse comporte 16 mesures, la tonalité est la mineure, les mesures sont en 3-4, c'est-à-dire 3 temps par mesure, avec comme unité de temps la noire. Voyons le détail de la main droite dans cette première partie. Donc j'ai le Do central, hein, le Do 4 là, et en fait on va placer sur Mi, et donc mesure 1, Mi, La, Si, Do, je place en 2, Do. Mesure 2, Ré, Mi, Fa. Mesure 3, Si, Do. Je passe le pouce sur le Ré. Ré, La, Sol, Fa. Et là, on a notre premier mordant. Mi, Fa, Mi. Vous voyez, le mordant, c'est un enchaînement rapide en aller-retour. Hein. Donc, Mi, Fa, Mi. Première note, deuxième note, et on revient sur la première note. Mi, Fa, Mi. Mesure 4. Ré dièse Mi, mesure 5, La, Si, Do, Do, Ré, mesure 6, donc Ré, Mi, Fa, mesure 7, Si, Do, Ré, La, Sol, je passe le 1 sur le Si, Si, et mesure 8, Do. Silence. Mi, mesure 9, donc on va faire la mesure qui est identique à la mesure 1, donc Mi, mesure 9, La, Si, Do, Do, mesure 10, Ré, Mi, Fa, mesure 11, Si, Do, passage du pouce, Ré, La, Sol, Fa, mordant, Mi, Fa, Mi, mesure 12, Ré dièse, Mi. Alors vous voyez, ces mesures 9, 10, 11, 12 sont identiques à mesure 1, 2, 3, 4. Mesure 13. Do, Ré, Mi, Mi. Mesure 14. Fa, Sol, La. Mesure 15. Sol. Fa dièse, je passe le pouce sur le Sol. Sol, Ré, Fa. Et mesure 16, Mi. Voyons le détail de la main gauche dans cette première partie. Donc à la main gauche, on va faire pratiquement tout le temps la même chose. On va avoir une basse sur le temps 1. Et des accords qu'on va jouer sur les temps 2 et 3. Donc dans le premier cas, là, les accords de La mineur, vous voyez, La Do mi. Donc je vous ai préparé un petit récapitulatif de tous les accords qu'on va rencontrer. Je vous encourage à travailler d'abord effectivement les basses. Et les accords. Donc on les travaille un peu de manière indépendante pour voir ce qui se passe. Donc la basse se balade un petit peu, hein, comme vous voyez. Sol, Do. Et les accords vont jouer dans cette zone, vous voyez, du Do central ici. Do 4. Les accords joués dans cette zone-là. Donc premier accord, ça va être celui-là. Deuxième accord, c'est un Ré mineur renversé. La, Ré, Fa. Troisième accord, ça va être un Sol, Si, Fa. Et quatrième accord, ça va être un majeur renversé. Donc, mesure 1, on a sur un La, et après vous voyez un grand déplacement jusqu'au La Do Mi. Il y a deux octaves. Hein.
sur les temps 2 et 3. Mesure 2. Ré. La ré fa. Mesure 3. Sol. Sol si fa. Mesure 4. Do. Sol do mi. Mesure 5. Cette fois-ci, on prend le la. Une octave au-dessus. Hein. La. La do mi. Alors, au niveau du doigté, je vous laisse voir ce qui vous convient le mieux. Hein. Le doigté des accords. Donc, la do mi. Mesure 6. Ré. La ré fa. Mesure 7. Sol. Voilà, regardez bien, il y a alternance entre sol, si, fa et sol, ré, fa. Mesure 8. Sol, do, mi, qu'on joue qu'une fois. Parce qu'après, il y a un soupir. Mesure 9, on reprend. Mesure 10. La, ré, fa. Mesure 11, sol, sol, si, fa. Mesure 12, sol do mi. Mesure 13, la do mi. Ré, la ré fa. Mesure 15, sol, sol si fa. Et mesure 16, do, sol do mi. Voilà, rythmiquement, c'est assez simple. Allez, voyons ce qu'il se passe mains ensemble cette fois-ci. Donc, première partie, à la pause, mesure 1. Mesure 2. Mesure 3. Le mordant avant la mesure 4 en fait. Mesure 4. Mesure 5. Mesure 6. Voilà. Allez, aussi lentement que moi. Hein. Mesure 8. Mesure 9. Mesure 10. Mesure 11. Mesure 12. Exactement hein, comme les mesures 1, 2, 3, 4 sur ces mesures 9, 10, 11, 12. Mesure 13. Mesure 14. Mesure 15. Mesure 16.